c'est du passé. Non, faut plus que je laisse mon âme sans tracer. J'entasse les pots cassés. Je voudrais voir les problèmes s'espacer. Mon cœur un taudis et y'a pas te laisser passer. Et cherche même plus à brasser. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Hey. L'équipe, bon, c'est parti pour une petite vidéo que tu. L'équipe, comme d'hab, pour cette vidéo sur Rousse 63 sur aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, te casser les couilles comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. On commence avec tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo d'actu du dimanche, on a Ben PLG de l'émission Nouvelle École qui a annoncé la sortie de son projet, qui va s'appeler Réalité Rap Musique Volume 2, et qui sera disponible le 24 juin, l'équipe. Ensuite, on a Booba qui a laissé un message à Maes pour leur featuring qui s'appelle Pablo, et qui a été mixé par Bersa Music. Bref, et ben Booba justement, il l'a mis en story en disant « Maes, je pense que ça doit sortir, trois petits points. Ah bah ouais Bersa. » Donc voilà. Ensuite, ça a pas loupé, on a Maes qui a directement répondu à Booba en reprenant sa publication et il lui a dit « Je crois que je vais mettre le tag d'un autre beatmaker » avec un smiley du genre qui sourit mais pas trop, t'as capté. Ensuite, pour clôturer sur ça, on a Booba qui a à nouveau répondu à Maes. Comme tu peux le voir, il lui a dit « Maes, tag moi, je me suis mis à la prod, je fais que des dés sous Filtrax » avec plusieurs smileys morts de rire. Et au-dessus, il a écrit « Je vais m'acheter une nouvelle voiture. » Donc voilà. Donc je pense qu'en fait, le featuring entre Booba et Maes qui doit sortir et qui s'appelle Pablo, il est bloqué justement par Bersa Music. Car en fait, la prod, elle vient de lui. Après, c'est que mon avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on a Oli et Bigflo qui ont fait une pause de 2 ans. Et ils sont de retour en fin de semaine avec leur nouvel album. Et pour la promotion, ils ont enregistré des questions en 2020. Et ils ont répondu à leurs propres questions en 2022. C'est vraiment un truc de fou. Regardez. Flo, est-ce que tu as fait ton opération pour la... parce que tu avais une micro. Est-ce que tu continues à être lourd comme ça? Quel lourd. Mais il se fait rire à lui-même. Ça, c'est digne d'un psychopathe. Hein. Je suis sûr que je me suis fait rire sur cette vanne, à moi-même là. Sûr et certain, je me connais. Je suis sûr que je râle à côté. Bah oui, lourdeau déjà. Donc casser les c*** en 2020. Quoi. Pouf, courage frérot. Ça va. Oli, je sais que tu vas adorer ça. Je vais te faire un petit beatbox et tu peux faire une petite impro. Tu places... Waouh, wow, c'est un feat avec lui-même, c'est trop bizarre ce qu'il va faire là. Tu places le mot album, futur, passé, Bigflo et Oli, et tu places le mot, dis-moi un mot Flo. Cucurbitacé, c'est chiant. Cucurbitacé, ok. On voit le son. Auto-interview, je crée ma propre culture. Fit avec moi-même comme si je venais du futur. Le temps est passé trop vite, surtout avec le Covid. L'album qui va tout niquer, ouais c'est Bigflo et Oli. Rassurant, je me trouve meilleur que celui du passé. Vous allez en bouffer toute l'année comme un cucurbitacé. Wouhou! Ensuite l'équipe, il y a Six et OGB qui sont passés en interview chez La Malle pour la sortie du projet Val de Rap qui va regrouper plus de 30 rappeurs du 94. Et ils ont expliqué pourquoi Nesbill il sera pas justement dans la compilation. Donc tenez, regardez l'équipe. Est-ce qu'il y a eu encore d'autres artistes qui t'ont... Ouais, il y a eu un autre feu. Il y a eu Nesbill. Oh! Eh ouais frère, il y a eu Nesbill. Et pareil, Nesbill en fait, la petite anecdote c'est que moi j'ai fait des tournées avec lui à l'époque de mon premier album, lui aussi ses premiers projets et tout, on était signé chez Nouvelle Donne, ouais, donc on a fait des tournées ensemble en Viano il y a 15 ans, tu vois, et voilà, on s'est liés d'amitié machin et tout, et quand j'ai été le voir, je lui ai parlé, je lui ai dit écoute t'as vu projet 9-4 machin et tout, il y a tout le monde, faut Nesbill, il faut qu'il soit là, N2S quand même. Frère, ouais. Faut Nesbill. Ouais. Vas-y, ok frérot, je vais lui en parler et tout, machin, je passe ton salam, tout ça et tout. On se revoit avec Daisy, on se revoit, je sais pas, semaine plus tard, tu vois. Ouais. On est allé manger ensemble et tout. Il me dit, ouais frérot et tout, il est pas chaud pour l'instant. Mais je te parle de ça, c'était juste avant, 2 mois avant la sortie de son projet. Parce qu'à la base des bases, projet 9-4, il devait sortir... Il y a bien longtemps. Ouais, il devait sortir il y a 6 mois, on va dire. Et Nesbill n'avait pas encore sorti son album. Projet. Et il voulait pas, en fait, Nesbill, il voulait pas apparaître. C'était juste avant, ça, en fait. Il voulait pas apparaître avant que son album sorte. Voilà. Et il a dit clairement, il a dit, ouais, dis-lui à Six et tout, force et tout, gros bisous à lui, mais je prépare mon truc et je veux revenir avec mon projet. Je veux pas revenir d'abord sur une compile, machin et tout. Et voilà, on a respecté, tout simplement. Ensuite l'équipe, il y a Matt Houston qui était en concert hier soir et ça a dégénéré à la fin du show. En effet, il a reçu plusieurs crachats et des insultes venant du public. Et il a réagi aujourd'hui en vidéo, donc tenez, regardez l'équipe. Ah, vous les frères, vous êtes trop puissants, les frères. Ah, je vous adore. Dès le début du concert, il y avait des gens qui me crachaient dessus, mon frère.
J'esquivais les piles comme ça, t'as vu? Non, mais vous, vous êtes trop puissant. Ah, attends, les gens, ils achètent des places pour venir cracher sur les gens, quoi, tu vois? Et avoir une trentaine de pèlerins. Après, tu vois, le reste, c'est un dommage collatéral. C'est un dommage collatéral. Faut arrêter de faire chier les gens quand vous venez en concert aussi. C'est ça, le truc. Tu vois? Ah ouais. Moi, on me casse les couilles, je réponds. Je me demande des excuses, il n'y en aura pas. Pas cette fois. Tu vois? Maintenant, voilà, quoi. Rendez-vous au prochain concert, quoi qu'il arrive. De toute façon, il n'y a rien qui va m'arrêter, moi, tu vois? Rien à foutre. S'il y a des insultes, des machins, des trucs, ben, mon cas, je... Bah, je disais, s'il y a des insultes, des trucs comme ça, ben, moi, quand j'y vais, maman, zot aussi. Tu vois? Moi, c'est comme ça que je suis. Je suis comme ça, Timal. C'est pas possible. Vous venez pas en concert, bah, acheter des billets pour faire des trucs chelous aussi. Ah ouais, un homme reste un homme. Tu vois? Un homme reste un homme. Me crache dessus, frère. Déjà, j'ai levé le majeur déjà, la première personne concernée, si vous regardez bien les vidéos. Lui, tout seul. J'ai levé le majeur. Et ensuite, le reste. Ah ben, comme j'ai dit, c'est un dommage collatéral. C'est pas Paris, j'en veux pas à Paris. J'en veux à tous ces petits cons là, en fait, qui sont là et qui viennent en concert faire chier les gens, frère. Voilà. Donc, nia maman zot. Voilà, c'est tout. Et il y aura d'autres concerts. C'est pas ça qui m'arrête. Rien du tout, moi. À l'arvoyeur. Ah ouais, autre chose. Fallait que je rajoute ça aussi. Fallait que je rajoute ça aussi. Frangin. Je suis jamais monté à jeun une seule fois de ma vie sur scène. Et ça m'a pas empêché de faire le show. Jamais. Never ever. Tu vois? Donc, alcoolikis, c'est vrai. Mais après, ça dépend du public. Donc, quand je te dis que dès le début du show, c'était bad, ça donne pas envie de chanter. En fait, c'est tout simplement ça, en fait. Dès que t'arrives et que tu reçois des crachats, à un moment donné, t'as plus envie de chanter. Donc, tu t'en bats les couilles. C'est aussi simple que ça. C'est parce que j'ai vu ça beaucoup, beaucoup, beaucoup qui disent ouais, ah là 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 là, ouais, il était bourré. Non, j'étais pas plus bourré qu'autre chose. Eh, mais go, quand dès le début c'est hoche. Mais quand dès le début c'est hoche. Et quand dès le début là, le truc il est hasardeux. À un moment donné, c'est logique en fait que t'aies plus envie de chanter en fait. Que tu reçois des trucs. Tu vois, à un moment donné, t'as plus envie de chanter, tout simplement. Donc, je suis resté là, ben, t'es la mollasse, tu vois. Tes mollassons. Et puis, c'est tout, frère. Mais non, man. Arrêtez avec vos histoires de... Il était bourré, il est rentré sur scène. Frère, je suis toujours bourré sur scène, moi. Quoi qu'il arrive. Après, ça dépend du peuple qui est en face. Voilà, c'est tout. À l'arvoyeur, encore une fois. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. On vient de toutes les larmes qu'on versait, mais pas des rares sourires qu'on esquissait. À la maison, papa n'est qu'une légende, donc bien sûr que j'ai beaucoup souffert d'être métissé. J'affrontais les tempêtes, les blizzards. Je mis de côté toutes les larmes que j'ai guisées. La tristesse créa de l'érosion sur mon visage. Mais les épreuves, moi jamais je les esquivais. Je suis dans cette merde depuis l'époque des Ivas, bien avant que la vie nous épuisa. J'ai fait plusieurs caches, j'en ai livré des pizzas. Et le commun des mortels nous trouvait tous bizarres. Voilà, donc voilà qui se passe entre hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop tant. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour chien et référencement. Si t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas une métal en commentaire, tu mets un propre. Alors c'est juste pour référencement. Ouais, vas-y, c'est chill, c'est passé. Au passage, dites-moi dans les commentaires combien il fait chez vous. Parce que moi en ce moment, c'est vraiment une dinguerie. Il y a de l'orage, un coup il y a de la tempête et un coup il y a du soleil. C'est vraiment, mais vraiment mélangé. Bref, je comprends plus rien. Ouais, j'ai oublié. Je te dis à soir pour me conscience une de mes vidéos et une mauvaise. En bref, l'équipe. Des kilomètres pour remonter des kilos. Les tartiflettes qui font les guetteurs dans la street. Le 357 va mettre d'accord les petits comiques. Je plains de soupe, je suis plus rapide que Bip Bip.